ce que les gens veulent voir, c'est du culturel. Vous savez ce qui m'hallucine le plus, c'est qu'on est sur PlayStation. On est sur PlayStation, c'est un truc de fou. Et après tout ce temps, j'en reviens pas que ce jeu tourne sur PlayStation. Mais bon, tout le monde sait de toute façon que Silent Hill 2, c'est le meilleur de la série, et voilà, basta. Allez, salut, au revoir, et à la prochaine. Ah mais non, tu peux pas dire ça. Bah quoi? C'est vrai? Silent Hill 2, y a pas que Silent Hill 2 quand même, faut arrêter de déconner. Bah oui, écoute, je sais que Silent Hill 1 et Silent Hill 3, c'est peut-être des bons petits jeux sympathiques, mais Silent Hill 2, c'est le best of the world, et puis c'est tout. Des bons petits jeux sympathiques. D'accord, je crois qu'il va falloir remédier à ça. Ça va pas du tout, là. Allez, salut tout le monde, et salut à tous, c'est Rudy Golem, et je suis aujourd'hui accompagné de mon grand ami, Moogie Light. Bonjour à toi, Moogie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va, super. Alors, je tiens déjà à dire que vous pouvez retrouver Moogie Light sur sa chaîne Twitch, où vous pourrez retrouver donc ses combats sur Street Fighter. Street Fighter et d'autres. Je streamais essentiellement du Street Fighter, mais j'essaie de faire d'autres choses aussi. Voilà, donc franchement, suivez-le parce que c'est vraiment génial. On avait fait la review donc de Silent Hill 3. Sur PlayStation 2, il y a maintenant un an, si je me souviens bien. Ça remonte un peu. À Halloween dernier, ouais, si je me souviens bien, c'était Halloween dernier, donc Silent Hill 3. Un jeu injustement critiqué pour des conneries, tellement que ce jeu est un grand chef-d'œuvre du survival horror, et qui est clairement à la hauteur donc de Silent Hill 2. Et aujourd'hui, bah, tu reviens avec moi donc pour le premier épisode qui, tout comme Silent Hill 3, a été oublié au détriment de Silent Hill 2. Eh oui, bah, comme un petit peu tous les Silent Hill en fait, hein, j'ai envie de dire. Le 2 a fait de l'ombre à un peu tout le reste de la série et c'est très dommage parce que c'est des jeux qui sont très loin d'être exempts de qualité. Donc ouais, c'est dommage. Et c'est pour ça bah, que du coup, on a décidé donc de faire cette review du premier Silent Hill, bon qui est certes connu, on va pas non plus dire que c'est pas un jeu inconnu, mais que je trouve quand même qu'on a un peu trop oublié, surtout que
Bah, je suis assez impressionné de voir quand même certaines critiques sur le jeu qu'on ne faisait pas à une époque et que depuis que Silent Hill 2 est sorti, bah maintenant on dit oh Silent Hill 1 c'est du passé, voilà le meilleur c'est Silent Hill 2 et basta, d'où cette petite intro un peu stupide de ma part. Donc bah Silent Hill c'est bien sûr édité et développé par Konami, c'est sorti le 1er août 1999, il est sorti très très tard. Il est dirigé forcément par la Silent Hill Team qui à l'époque était une toute nouvelle équipe créée par Konami, donc forcément Keiichiro Toyama, Takayoshi Sato et Masahiro Ito pardon, pour la conception du jeu et forcément les musiques de, je te laisse le dire. Akira Yamaoka, le fameux, et t'as un peu écorché pour le nom. En fait, l'artiste, c'est le character designer des monstres, c'est Masahiro Ito, en fait, qui s'occupe de l'artistique de Silent Hill, en fait. Tout ce qui est artistique et les monstres, les créatures, et c'est vraiment un génie aussi. En fait, d'après ce que j'ai compris, pour les personnages humains, c'est Takayoshi Sato qui s'occupe des personnages humains, et c'est donc Masahiro Ito, putain, j'arrive pas à dire son nom, mais c'est un truc de malade, pour Tu l'as plus ou moins bien dit. tous donc les créatures et les monstres. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est vraiment une team qui a vraiment fait le succès de la série. Voilà, c'est pourtant à l'époque c'était une toute nouvelle équipe et ils te balancent comme ça leur projet d'horreur. Et si donc on revient sur ce titre de légende, c'est surtout parce qu'il a marqué un très grand tournant dans l'histoire du survival horror. À une époque où forcément le survival horror c'était surtout dit par Resident Evil hein, qui a popularisé le survival horror au détriment du chef-d'œuvre de Frederick Reynald. Silent Hill, lui, il a complètement réinventé le truc. Il a clairement réinventé le truc. Là où à l'époque, après Resident Evil, t'as eu des Resident Evil like. En masse, Ah oui, en vraiment. masse. On a eu en masse. Et c'était surtout un genre bah, qui commençait à être lourd quoi au final. Hein. C'est un genre qui à l'époque commençait à être lourd parce qu'on se disait putain, il y a que des copies conformes de Resident Evil avec des données en précalculé, des personnages pas aussi charismatiques que les personnages de Resident Evil. Bon, on pouvait encore avoir certaines perles hein, comme Depfear sur la Saturn qui est vraiment sympa, hein, dont je vous conseille si vous adorez le survival horror. Mais sinon, voilà, Resident Evil, ça restait quand même le jeu indétrônable. Et là, qu'est-ce qui sort en 1999? Ce monument qui a mis quasiment tout le monde d'accord. Quasiment. Quasiment. Parce que c'est vrai qu'avant Silent Hill 2, le 1, bah, il faisait quand même, il était un peu en concurrence avec Resident Evil. Il y avait Resident Evil 2 dans la foulée aussi, qui a extrêmement bien marché. Donc forcément, Silent Hill 1, il a été reçu et en même temps, il est passé un petit peu inaperçu. C'est vraiment qu'à partir du 2, où là, ça a été lancé pour la série, quoi. Bah, il y a aussi le fait que la PlayStation 2 allait bientôt sortir. Je me souviens. Aussi, oui. Hein. Ou qu'ils étaient déjà sortis, un peu comme la Dreamcast, hein, qui est sortie en 1999 en Europe. Donc forcément, si une personne est plus attirée vers la nouvelle console de jeux vidéo, donc la Dreamcast, forcément, il a oublié des jeux comme Silent Hill, ou même alors Soul River, Legacy of Kain Soul River, hein, qui lui-même était sorti assez tard sur la PlayStation et qui a même eu lui une version Dreamcast, alors que Silent Hill lui était vraiment un jeu exclusif à la PlayStation. Il n'y a pas eu d'autres sorties sur d'autres consoles à part sur PS3, mais beaucoup plus tard. Mais sinon, c'est vraiment un jeu exclusif à la PlayStation. Il n'y a pas eu d'autres machines qui ont accueilli ce monument. Et d'ailleurs, je crois que Silent Hill 1 était prévu à la base sur PlayStation 2, mais finalement, ils l'ont fait sur PlayStation 1, finalement. À savoir aussi qu'il y a également des versions assez différentes du jeu, puisque nous, d'après ce que j'ai compris, on a une version censurée, là où il y a des versions non censurées pardon, du jeu, où ce sont en fait des petits enfants zombies en fait qui vous attaquent dès le début du jeu. C'est dans le fameux niveau de l'école, en fait, plus précisément, où il y a dans la version d'origine, donc japonaise, et je crois que c'est la seule, il y a des enfants, en fait, qui nous attaquent armés de couteaux,
et ça passait pas pour le côté occidental, donc ils ont décidé de transformer ça par des espèces de taupes qui ont la taille d'enfants, qui voilà, avec des formes plus monstrueuses qui n'évoquent pas des enfants, quoi. Parce que tuer des enfants, c'est pas bien. Voilà, tout simplement. On a le droit de tuer des infirmières, des docteurs, tout ce que tu veux, mais pas des enfants zombies. Voilà. Mais pas des enfants. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, il va peut-être y avoir un niveau dans une école avec des zombies enfants dans le remake de Resident Evil 2. Donc, Voilà. une première, qui sait. Et Mais ça. à l'époque, ça ne se faisait pas, en tout cas. Et ce sera cool justement parce que comme je dis, enfin, je dis pas que c'est cool de tuer des enfants, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, ça va changer un petit peu de ce mur qui est entre la réalité et puis le virtuel parce que comme je dis toujours, ce sont que des jeux vidéo, voilà, faut arrêter un petit peu de censurer des conneries de ce genre. Ce sont que des jeux vidéo, ce sont des œuvres, c'est de l'art, voilà, tout simplement. Et comme je dis, il y a toujours un mur entre la réalité et la fiction et c'est pour ça, faut arrêter un petit peu toujours censurer ce genre de conneries. Moi, ça me saoule un petit peu ces conneries qu'il y a avec la censure. Donc j'espère vraiment que ce sera le cas de Resident Evil 2 parce que moi ça sera encore un très gros progrès. Surtout que les enfants zombies, on en voit dans le film Resident Evil, ces merdes là, on censure pas, mais alors quand c'est les jeux vidéo, là on censure, ça m'énerve. Voilà, juste pour dire cette petite parenthèse, ça m'énerve. Donc Silent Hill. Bon, on va commencer par ce qui a le plus impressionné quand même à l'époque sur ce jeu, c'est d'abord bien sûr le scénario. D'un point de vue scénario, à chaque fois tout le monde disait que les Survival Horror, voilà, ils ont pas des scénarios extraordinaires, ça a pas des scénarios ultra poussés, et pourtant là, on a eu pour la première fois, enfin, pas vraiment la première fois parce qu'on a déjà eu quand même des Survival Horror. Qui avait quand même de bons scénarios. Mais là, vraiment, Silent Hill, ça a envoyé un scénario tellement loin que je pense que personne ne s'en est remis de cette claque, quoi. Ah oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, c'était vraiment avec des jeux comme ce que faisait Konami dans cette période-là qu'il commençait à y avoir des jeux avec des vrais scénarios où ça commençait à être plus mature, bah, comme Metal Gear aussi, hein, à côté. Hein. Donc, parce qu'avant, c'était les jeux vidéo, c'était plus de l'aspect du jouet pour plus enfantin et tout. Et c'est avec des jeux comme ça que ça a vraiment commencé à se démarquer. Donc ouais, clairement quoi. C'était autre chose, c'était complètement différent de ce qui se faisait avant. Surtout que moi, ce que j'aimais avec ce jeu, c'est que la première scène du jeu, bon, si on ne regarde pas l'intro, hein, on a juste une scène où on comprend déjà ce qui se passe. C'est ça qui est énorme, c'est que t'as juste un couple qui trouve un enfant, et voilà. Et après, qu'est-ce Avec une musique magnifique de Akira Yamaoka, il n'y a pas de dialogue et tu comprends tout quoi, direct. voilà. Et ça te met direct dedans. C'est ça vraiment qui est énorme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, on arrive déjà dans la ville de Silent Hill. On a eu un accident et on va donc incarner le héros papa du jeu. Et j'insiste sur le papa parce que je trouve ça vraiment génial. Harry Mason, qui a donc pour but de retrouver sa fille Cheryl Mason, qui est donc de base entre guillemets sa fille adoptive, mais qui considère comme sa véritable fille. Il va donc la chercher, sachant qu'il voit une petite fille qui lui ressemble étrangement dans la ville. Il va donc, on va dire, pourchasser en fait cette petite fille hein, qui ressemble à sa fille. Et il va se retrouver pris au piège par des monstres, par les espèces de taupes ou les enfants zombies selon notre version. Et il va mourir. Et puis il va se réveiller. Dans un espèce de bar où il fera donc la rencontre donc de Sybille Sybille Bennett, ouais. Sybille Bennett donc qui est une agente de police qu'il avait croisée d'ailleurs si je me souviens bien lors de la cinématique sur la route il la croise et puis il a eu un accident à cause d'elle parce qu'il avait retrouvé il avait vu en fait Sa moto, ouais. sa moto qui a été percutée, et juste après il voit donc le fantôme d'un personnage, et c'est là où lui a eu donc son accident.
Et donc, Sybille va essayer de chercher de l'aide, pendant que Harry, lui, va essayer de chercher donc sa petite fille. Et donc, elle lui donne une arme et lui dit tout simplement qu'elle espère qu'il va pas s'en servir. Et qu'est-ce qu'on fait 2 secondes après qu'elle est partie? On va utiliser notre arme contre un monstre. Voilà. Et c'est d'ailleurs cette obsession qu'a Harry de retrouver sa fille, c'est devenu un mème, hein, avec cette fameuse phrase « Have you seen a little girl short with black hair ?» Il la répète un nombre incalculable de fois durant le jeu, mais... « Have you seen a little girl just turned 7 last month, short, black hair ?» Comptez quand vous faites Silent Hill, c'est assez rigolo. Mais après, je veux dire, c'est normal, le mec qui s'inquiète pour sa fille, qui perd pas sa fille ou enfin son enfant serait là à dire vous avez vu ma fille, vous avez vu mon enfant, vous avez vu mon enfant, voilà. Ah oui, bien sûr, non mais c'est assez rigolo comme il répète ça de façon assez robotique en fait. Bah voilà, après, bon, pour le doublage, on en reparlera après parce que pour à part le doublage. Je suis très mitigé parce que à la fois je l'adore, mais à la fois je sais pas trop quoi en penser, on en reparlera plus tard. C'était les débuts, hein, c'était... voilà. Mais ce que je trouve vraiment énorme, vraiment avec le personnage d'Harry Mason, c'est que tout ce qu'il fait durant ce jeu, c'est pour sa fille. Il en a rien à foutre de ce qui se passe à côté, de savoir qui est telle personne, de savoir qui est telle personne. Non, tout ce qu'il veut, lui, c'est retrouver sa fille. C'est son objectif principal. Et pourtant, il rencontrera quand même d'autres personnages au fur et à mesure du jeu, que ce soit Dahlia. Plein de personnages, une multitude de personnages aussi intéressants les uns que les autres. Mm-hmm. Très très intéressant, bah comme j'ai eu aussi Dahlia Gillespie, je sais pas trop dire son nom. Dahlia Gillespie, ouais. Qui est donc une femme qu'on va rencontrer dans une église et qui va commencer à lui parler de trucs de religion, de dieu, de culte. Voilà, de l'occulte et tout. Et lui, tout ce qu'il dit, c'est qu'il veut retrouver sa fille, quoi. Il s'en fout de tout ça. Et pareil, après, il va retrouver également le docteur Michael Kaufman aussi, personnage culte du jeu, ainsi que la cultissime Lisa Garland, qui est donc infirmière du jeu, qui a un scénario de psychopathe, parce que c'est ça aussi la puissance du jeu, c'est qu'il n'a pas uniquement un scénario de base qui est assez simpliste, c'est-à-dire le but c'est de retrouver sa fille, c'est tout ce qui est encore une fois autour de ce scénario, donc le backroom. Il y a tout un univers, les personnages ont tous une mentalité, une personnalité, un background qui leur est propre, et c'est ultra intéressant tout le long du jeu. C'est vraiment un truc de fou, le boulot qui a été effectué sur le scénario de chaque personnage. Et le pire, c'est que le personnage qui a le moins d'écriture du jeu, c'est le personnage principal. C'est Harry, oui. Harry Mason, qui, comme j'ai dit, est juste là pour retrouver sa fille. Le reste, il s'en tape complètement. Et c'est impressionnant, moi, je trouve, le boulot qui a été effectué sur le jeu. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça hallucinant ce qu'il a fait. Ah ouais, non, moi j'étais. Quand j'ai fait l'essai Lanty la première fois, j'étais resté sur le cul, hein, complètement. C'était incroyable. Ce qui m'avait vraiment choqué, quoi, c'était que. J'essayais de me remettre dans le contexte, tu vois, de l'époque de la sortie du jeu, qu'on était déjà capable de faire ça, arriver à des niveaux pareils. Le jeu, c'est vraiment le genre de jeu qui est vraiment en avance sur son temps, en fait, tu vois. Ah, mais carrément. Carrément. Et c'est là où je suis encore plus impressionné. C'est comme je dis, c'est que d'habitude, à chaque fois que t'as un scénario, même dans les RPG, hein, je veux dire, même dans les RPG ou autres, à chaque fois qu'on a un personnage principal, c'est toujours le personnage principal qui est toujours mis en avant. C'est toujours lui qui a le backroom le plus intéressant, le plus impressionnant. C'est toujours lui qui a toujours. Et là, le jeu, c'est tout le contraire. C'est l'inverse, ouais. Harry Mason, c'est vraiment le backroom faible du jeu. Et à côté, t'as plein de personnages, mais putain, même sa petite fille, qu'on voit quasiment jamais dans le jeu, à part au début, a un scénario de psychopathe. C'est un truc de malade. Franchement, ce jeu, c'est un truc de malade. Je sais pas comment il a fait
Keiichiro pour avoir cette idée de génie, mais franchement, bravo. Et même au-delà de ça, tout l'univers, la ville de Silent Hill, c'est un personnage en elle-même. Oui, voilà, il y a ceci, le fait que la ville de Silent Hill a beaucoup de mystères, a beaucoup de secrets. C'est vraiment impressionnant. Franchement, je sais pas comment ils ont fait, mais moi, c'est là où tu vois vraiment les spécialistes, où tu vois vraiment où les mecs, ils avaient un concept, ils ont voulu en créer un jeu, et qu'ils avaient mis du cœur dans leur jeu. Voilà, ils ont voulu faire un jeu de fou, rien qu'avec un scénario, et c'est là où vraiment je suis stupéfait, quoi, parce que surtout que la même année, comme je l'ai dit, il y a quand même Metal Gear Solid, qui est quand même sorti. Faut pas l'oublier, et que Metal Gear Solid est également réputé pour son scénario de fou, et là à côté t'as également Silent Hill, quoi, c'est incroyable. Franchement, moi je trouve ça incroyable. Surtout que ce qui m'a impressionné également dans le jeu, c'est également les dialogues, où c'est de part bien sûr les dialogues que le scénario va beaucoup avancer, que ce soit le moment où, comme j'ai dit, il va rencontrer donc Dahlia dans l'église, où tu vois qu'elle va raconter un petit peu certaines choses. Surtout le moment où il va vers elle et puis qu'elle dit stop, celui qui va dans cette direction n'est que moins que rien. Enfin bref, c'est cool, mais je trouve ça génial parce que chaque personnage a sa façon de parler. Moi je trouve ça énorme. Surtout le docteur Michael Kaufman aussi, qui a une façon de s'exprimer, mais le mec, on dirait qu'il est complètement paumé, quoi. C'est énorme. Tari qui lui parle du truc, mais le mec, il en a rien à foutre. Tout ce qu'il veut, c'est se barrer, quoi. C'est génial. Franchement, j'adore les dialogues de ce jeu. Ouais, chaque personnage a sa façon de réagir, de parler, de se comporter avec Harry. Et c'est... À chaque fois, on est jamais rassuré, en fait, quand on trouve un humain, une autre... quelqu'un d'autre qui est vivant dans tout... dans cette ville, parmi tous ces monstres et tout. Ça rajoute des mystères de plus à chaque fois, en fait. Bah, c'est surtout que tu sais pas en fait dans quelle direction aller. En fait, déjà que t'as peur des monstres qui rôdent autour de Silent Hill, sachant que les monstres ont aussi leur signification, mais ça on en reparlera un peu plus en bestiaire. Sachant aussi que les mystères de Silent Hill sont connectés également au personnage, parce que comme je dis, quand Dr. Kaufman lui dit directement je sais pas, j'étais en train de dormir, je me suis réveillé, il y avait des monstres, comment on peut le croire? Je veux dire que comment tu vois que Harry il peut le croire que comme ça du jour au lendemain il y a eu des monstres, quoi. Même lui, même Harry il se pose des questions, quoi. Si ça tombe, Kaufman lui ment, on sait pas. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment très intéressant, parce que il y a toujours un mystère qui entoure un personnage. Et par Il y a exemple, toujours un mystère. et quand tu vois par exemple la conclusion de certains personnages, par exemple Lisa Garland, c'est sa conclusion, c'est un truc de malade, quoi. Je pense que c'est même l'une des plus belles scènes du jeu, hein, personnellement. Ah, complètement. Ouais. Lisa, Hold it. c'est ça m'a filé des frissons, ce Stop. personnage Don't et son shoot. histoire. Wait. Autant au début tu te dis c'est qui cette folle là qui est tout juste Name is Harry folle, Mason. qui est vers Town toi, on qui est toute trop vacation. folle quand elle te voit et tout. Et pourtant à un moment Thank donné, God, another human being. quand tu vois la fin d'histoire de ce Do you personnage, t'as work envie de here? chialer tellement que c'est beau, quoi. Hmm. Et c'est là où je trouve impressionnant I dans ce work in jeu, this c'est que hospital. en fait c'est un jeu qui arrive So maybe à you can avoir tell me un what's going on. scénario à la fois d'horreur et à la fois de I poésie. really C'est can't con, say. mais I was Ouais, taken there complètement, with ouais. staff C'est ce que j'ai à chaque fois, c'est la poésie de like l'horreur, quoi. this. Everyone Surtout seems que to le jeu, disappear. apparemment, s'est très inspiré And it's snowing du now, film this L'échelle de time of Jacob, year. que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Faut vraiment que je pense à voir ce truc Something's un gone jour d'ailleurs. seriously wrong. À l'échelle de Jacob, si vous êtes fan de Have you seen Silent those Hill, il monsters? faut regarder ce film. Il est vraiment You've never génial seen such et il est aberration. passé inaperçu malheureusement. Il n'a pas eu le Have succès we ever heard mérité. of such En things? gros, d'après ce que j'ai compris, L'échelle de Jacob, You and c'est I both le film know Silent Hill, mais creatures like encore that mieux. don't Voilà, exist. c'est tout simplement. Ah oui, non, mais Yeah. vraiment, si vous voulez voir Have you une seen a adaptation, little même si c'est girl in plutôt black? l'inverse, en fait, Looking for a regardez doll. L'échelle de Jacob, hein, complètement. She's only seven, Même si le film short, Silent Hill de black Christophe hair. Gantz est très bien, au passage, j'en suis là dit. She's missing. C'est I'm vraiment un sorry. excellent film. Ah oui, ça c'est clair But with all those que pour monsters une around, I fois highly qu'on a doubt un that she super is. film d'un jeu vidéo, voilà, Il faut le souligner. la français en plus. Sorry, I didn't mean to C'est clair. alarm Donc moi j'ai envie de dire bravo.
Ça n'avait pas le sujet. Bah, dans un sens, si, puisque c'est un peu un remake du premier jeu Silent Hill, on va dire, entre guillemets, parce que dans le jeu. Une réécriture, ouais. Parce que dans le jeu, c'est le père qui va chercher sa fille. Dans le film, c'est la mère qui va chercher sa fille. Parce que dans le jeu, la mère, elle est morte. Suite à une maladie. Ouais. Chose qui sera à peu près également dans Silent Hill 2. Moi, je trouve ça intéressant. Les thématiques sont pas les mêmes dans le film. Hein. Il y a toute une thématique du patriarcat et du matriarcat qui est mise en question dans le film. Et les souffrances par rapport à l'enfance et tout, plein de trucs comme ça. Donc ça varie pas mal, mais ça reste très respectueux du jeu d'origine en fait. Et c'est pour ça vraiment qu'au niveau scénario, je n'ai rien à dire. Tout est parfait, que ce soit les personnages, que ce soit l'univers du jeu, que ce soit le scénario principal, secondaire, le backroom des personnages ou même les dialogues. Moi, je n'ai rien à dire, c'est du tout bon. Je sais pas si t'as quelque chose à relever. Non, pour le scénario, tu veux dire. Oui, bah non, le scénario, je pense qu'on a tout dit. Il y a un vrai boulot d'écriture en fait derrière, ce qui était assez rare dans les jeux vidéo de l'époque. Donc ouais, clairement. Et c'était bien fait quoi. C'était vraiment tout était cohérent, intéressant. C'était nouveau, ça se démarquait de ce qui se faisait avant. Donc du tout bon quoi. Y a rien à dire au niveau du scénario. C'était mystérieux, c'était intéressant, c'était nouveau. Enfin voilà quoi. Voilà, bravo à Konami pour ce tour de force, surtout sur le genre Survival Horror, où comme j'ai dit, là où il s'est vraiment très démarqué des autres, c'est surtout au niveau de son scénario, là où les anciens scénarios des anciens Survival Horror, c'est pas qu'ils étaient pas intéressants, c'est qu'ils restaient quand même classiques dans leur ensemble. Voilà, dans le domaine classique de l'horreur. Là où Silent Hill a vraiment mis un pas encore plus en avant, et c'est là où j'applaudis cette série. Il a marqué encore plus le coup, ouais, complètement. Alors, au niveau de son gameplay, donc comme je dis, donc on incarne Harry, qu'on incarne donc à l'aide de la manette PlayStation. On utilise donc les touches directionnelles pour déplacer son personnage. On a une touche donc pour afficher le menu qui va nous permettre donc de prendre certaines armes ou autres. Dans le menu, on a également la possibilité donc de se soigner à l'aide de médicaments ou des trousses de soins. On a également des ampoules qui va nous permettre donc de courir plus vite, parce qu'on peut faire courir notre personnage, mais à force il s'épuise. D'ailleurs, une petite animation sympa, c'est que quand vous courez trop à un moment donné et que vous arrêtez le personnage, il est épuisé, il fait c'est juste énorme, il souffle, ouais. Vous avez également la possibilité donc de stocker également toutes sortes d'objets qui vont vous permettre d'avancer au fur et à mesure dans le jeu, mais ça on en reparlera après dans les énigmes. On a une touche également pour afficher la carte, d'ailleurs la carte très très beau, mais ça j'en parlerai après. On a également une touche donc pour utiliser les armes, hein, une touche donc pour viser et une touche pour tirer. Et on a une touche également pour remettre la caméra, et pour bon sang, combien de fois on va la remettre, mais ça on en reparlera également après. Pour tirer ou pour attaquer, parce que la particularité des armes dans ces lentilles aussi par rapport à une survival horror, c'est qu'il y a des armes blanches et des armes à feu. Là où dans Resident Evil, la seule arme blanche que tu avais, c'était le couteau. Et le couteau qui était pas... exceptionnel. Ouais. Exceptionnel quoi. C'était vraiment, le jeu te disait vraiment lâche ton couteau et putain, la foire maintenant. Lâche ton couteau et utilise tes armes à feu quoi. Oui, enfin voilà, le couteau c'était vraiment pour les gens qui voulaient se mettre une difficulté supplémentaire, genre faire tout le jeu au couteau, machin, tout comme ça. C'était pas utile, hein. Ça servait pour un run normal quoi. Alors que là, dans Silent Hill, les armes blanches et les armes, comment on dit déjà, contendantes, genre tout ce qui est des tuyaux ou quoi, bah c'était vraiment utile, quoi. Et ça faisait économiser des munitions, etc.
Surtout que moi, ce que j'ai beaucoup apprécié également dans ce jeu, et qui a été beaucoup critiqué par beaucoup, c'est qu'il disait que le personnage était lent, que nanani, qu'il avait du mal à se faire contrôler et tout. Mais moi, je suis pas d'accord là-dessus, parce que, ok, le personnage est plus rigide que les autres personnages, par exemple, dans un Resident Evil, mais encore une fois, c'est voulu, parce que déjà de 1, on n'incarne pas un commando, on n'incarne pas un mec surentraîné avec des gros bras ou autre, non, non, on incarne juste un mec normal. Qui est de corpulence normale et qui est juste un père de famille qui fait tout ce qu'il peut pour sauver sa fille, quoi, voilà. C'est un écrivain. Et je trouve ça bien que voilà que le gameplay encore une fois participe au comportement du personnage et de ce point-là, moi je trouve que c'est très très bon. Ouais, c'est en cohérence avec le personnage, quoi, son physique, tout ça. Ouais, donc forcément, voilà, donc c'est un peu logique que le gameplay sera un peu plus rigide que certains personnages de Resident Evil, par exemple. Ou c'est pas comme dans Silent Hill Homecoming où tu joues un militaire et tu peux faire des roulades, des esquives. Mais voilà. On en parlera pas. Je pense pas, non. Mais voilà, non, franchement, c'est moi j'ai bien aimé le gameplay parce que encore une fois, bah c'est jouable, voilà, tout simplement. Tant que c'est jouable, tant qu'on arrive à jouer, qu'on arrive à terminer le jeu, qu'on se dit ah ouais. Ah ouais, c'était Ah, tes souhaits. vraiment. Merci beaucoup. Ah ouais, vraiment, l'aventure était vraiment très agréable à faire. J'arrête le jeu, j'ai fini le jeu et je recommence une partie juste après, quoi. Voilà, moi c'est ça que je trouve qui fait un bon gameplay. Et oui, le personnage se manie très bien malgré une rigidité assumée par le jeu. Et voilà, chaque arme. En plus, c'est ça aussi qui est bien, c'est que ok, le personnage est lent à réagir, mais encore une fois, je tiens à dire qu'il n'a pas des gros bras. Alors le mec, à un moment donné, il porte un tuyau qui est quand même assez lourd. On sent le poids de l'arme lorsqu'on frappe. Il est long à frapper, mais on sent le poids de l'arme. Et ça aussi, c'était du jamais vu pour un survival horror. Là où les mecs, ils attaquaient facilement leur adversaire. Là, franchement, putain, le mec a du mal à soulever un tuyau, mais putain, quand il frappe, quoi. Encore une fois, il essaie de survivre pour sauver sa fille. Et on le sent, ce poids-là. On le sent, et je trouve ça vraiment très intéressant, quoi. Donc voilà, moi, je trouve ça génial. Moi, personnellement, je trouve ça génial que le gameplay comme ça participe super bien au développement du personnage. Surtout que autre point vraiment positif du jeu, c'est également la carte. Parfait. La carte du jeu, c'était également du jamais vu. Ah, la carte dans ses lentilles, c'est ta meilleure amie, non? Ah non, mais franchement, de tous les survivors que je joue, je trouve vraiment que la carte de Silent Hill reste la meilleure. La plus lisible, la plus utile, vraiment bien faite. Il y a des détails qui sont rajoutés au fur et à mesure qu'on visite les pièces. Genre, telle porte est fermée, il y a tel objet dans telle salle. C'est vraiment super bien fait, super bien détaillé. Surtout que ça apporte également son degré d'immersion parce que garde, en fait, c'est limite t'as l'impression que le gars, en fait, il écrit sur sa carte au fur et à mesure que t'avances, quoi. Au fur et à mesure, complètement, oui. Avec un feu, quoi. Alors c'est énorme. J'imagine bien, tu sais, le mec qui se fait attaquer par un monstre. Oh merde, cette porte elle est fermée. Allez, vas-y, je vais gribouiller sur ma carte, quoi. Non mais c'est énorme. Franchement, c'est génial, quoi. Je sais pas encore une fois comment ils ont eu cette idée, mais putain, c'est immersif, bordel. En plus, un petit détail que je trouve vraiment génial avec la carte, c'est que si tu n'allumes pas ta lampe, ah oui, il y a aussi une touche pour allumer sa lampe. Ça, je vais vous dire. Surtout que niveau des effets de lumière, c'est vraiment super impressionnant pour de la PlayStation. Ça, on en reparlera au côté graphisme. Mais voilà, t'as aussi une touche également pour éteindre ta lumière. Et en éteignant ta lumière, ça te permet à ce que les ennemis ne te voient pas. Et ça aussi, c'est un détail vraiment qui tue, j'ai envie de dire. Il y a un aspect furtif, discrétion un petit peu. Ouais. Et voilà quoi, vraiment, ce système de cartes, vraiment parfait, comme je vous dis, oui, je parlais de la carte, quand tu n'allumes pas ta lumière et que tu es dans un endroit sombre, et ben Tari qui dit, bah excuse-moi mec, mais je ne peux pas lire ma carte, il fait beaucoup trop sombre. C'est énorme, franchement, vous voyez, c'est con, mais ça participe encore une fois à l'immersion du jeu, quoi. C'est con, mais c'est logique, quoi. Voilà, les gens qui cherchent de la logique dans les jeux vidéo, bah voilà, là vous en avez, hein, donc... Avant l'heure. Voilà, tout simplement, vous voyez du réalisme, ben voilà, là vous en avez du réalisme. Vraiment, système de cartes vraiment excellent.
Autre chose aussi à dire au niveau du gameplay, c'est aussi sa caméra. Alors la caméra, c'est à la fois bien et à la fois pas bien. Disons qu'à certains moments donné, on voit qu'ils ont essayé de mettre. En fait, la caméra se trouve en général derrière Harry. Quand on est dans la ville encore, ça va. La caméra est plutôt bonne ou autre. Même qu'au début du jeu, on voit qu'ils ont essayé de faire un petit hommage à Evil Dead avec la caméra qui se met carrément au-dessus, façon Evil Dead quand on entre dans un. Dans une ruelle, ouais, la caméra qui fait des plans de ouf. Oui, voilà, c'est genre cinématographique, franchement excellent. Moi, franchement, je trouvais ça vraiment énorme, vraiment, cet hommage à Evil Dead. Et cette scène avec les plans de caméra qui évoluent au fil de la scène, enfin du jeu, ça a été repris dans le film et d'ailleurs Ah oui, c'est vrai, plan par dans plan le début du d'ailleurs. film, plan par plan, et c'était super bien fait. Malheureusement, des fois la caméra, bah c'est également ta meilleure ennemie. Parce que putain, des fois elle se place à des endroits lourds, alors ça fait que t'es obligé d'appuyer sur le bouton pour replacer ta caméra derrière le personnage, parce que putain, des fois, mais ça tu vas le faire quasiment souvent dans le jeu, ça va arriver assez souvent. Vraiment, c'est tellement en fait que le personnage bouge plus vite que la caméra, que du coup, bah, la caméra ne suit pas et t'es obligé d'appuyer sur le bouton pour remettre la caméra Recentrer la caméra. Ouais. derrière toi, et ça c'est chiant que ce soit pendant un combat ou pendant que tu te fais attaquer, ça franchement c'est ultra relou, je trouve. Et surtout à des moments du jeu où tu te trouves dans des endroits assez exigus avec 2-3 monstres et ça peut vite être chiant. Ça peut vite être pénible. Et c'est vrai que ça, moi je trouve que c'est l'un de ses points négatifs, c'est quand même la caméra qui est vraiment pas évident à certains moments. Et si je devrais également lui trouver un autre défaut au niveau de son gameplay, c'est aussi le menu du jeu, qui est un véritable bordel. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Le menu du jeu, ouais, bah, le menu du jeu, c'est aussi un défaut dans le sens où, déjà, d'un point de vue visuel, design, ça, graphiquement, c'est vide, c'est moche. Là où t'avais un aspect visuel graphique qui était vachement sympa dans Resident Evil, dans le menu, bah là, tu le trouves plus. Et, enfin, tu le trouves pas, du moins. Et c'était assez dommage, ça aurait été bien d'avoir une personnalisation. Bah, ils l'ont fait plus tard hein, pour Silent Hill Origins, c'est un des bons points qui a été rattrapé par rapport à la série d'ailleurs dans Origins, c'est le menu qui a enfin un aspect graphique. Et ouais, on s'y perd vite entre les armes, les objets clés, les objets de soins. C'est pas très clair quoi. Ils ont un peu essayé comment dire, d'améliorer le truc dans Silent Hill 3 à partir du 3, mais c'était pas toujours ça quoi. Bah disons que dans le C'était toujours pas 3, ça. ils ont mis le menu armes, bateau ou autre, mais c'était toujours Ah pas oui, ça voilà. quoi. Non, pardon, c'était ça. Donc j'avais dit ça pour le 1, mais non, ça a été fait dans le 3. Dans le 1, tout était mélangé du coup. Ouais, dans le 1, tout est mélangé. Dans le Tout est 2. mélangé et c'est voilà, c'est ça, et c'était le bordel en fait. Et le problème, c'est que quand tu veux prendre quelque chose que tu veux pas prendre, bah c'est chiant parce que. Le problème, c'est que par exemple, tu te retrouves avec plusieurs armes, plusieurs objets, plusieurs soins ou autres, et c'est tout mélangé, c'est un véritable bordel. Et alors, le temps que tu trouves ton objet que tu dois prendre, bah voilà quoi, ça casse un peu le rythme de jeu, je trouve. Surtout que là, par exemple, dans la raison de tes villes, quand tu trouves par exemple un objet, que tu vas vers l'énigme en question, parce que ça, les énigmes, on va en venir juste après, voilà, ils disent, est-ce que vous voulez mettre tel objet à l'intérieur? Voilà, ça se fait directement. Alors que là, Silent Hill, t'es obligé d'aller dans le menu pour utiliser l'objet. Alors autant pour les portes, non, ça se fait automatiquement quand tu as la clé, mais quand c'est pour une énigme en particulier, là par contre, bah t'es obligé d'aller dans le menu. Surtout dans une énigme là qui m'a un peu lourdé, c'était l'énigme là sur la porte là où tu devais trouver trois artefacts là et que tu devais les mettre dans un certain sens. Cette énigme, si tu te trompes, c'est chiant parce que tu dois tout reprendre les pièces une par une, revenir dans ton menu une par une, les remettre une par une. Putain, qu'est-ce que c'est? Ça m'a gonflé ce truc. Wow.
Et j'ai pas ça par rapport aux énigmes, attention, hein, je dis pas ça par rapport aux énigmes, je dis ça par rapport justement à ce menu bordélique qui est ultra lourd et ultra chiant, quoi, parce que les énigmes en eux-mêmes, ils sont excellents. Ils sont vraiment excellents. Les énigmes, ouais, les énigmes, bah, c'est pareil, c'est assez différent de. C'est toujours très différent de Resident Evil, hein, au final, tous les aspects du jeu. C'est ça qui est vraiment bien. On continue de le souligner, hein, quand même, que c'est un jeu qui se démarquait vraiment des Resident Like de l'époque. Il avait vraiment son truc, et même au niveau des énigmes, du coup, parce que les énigmes, là, c'était. Dans Resident Evil, il s'agissait plus d'aller chercher un objet, une clé. Mettre la clé, mettre l'objet, et après tu résous un petit puzzle à la con. Là, dans Silent Hill, c'est pas ça. Dans Silent Hill, c'est clairement pas ça. Dans Silent Hill, t'as vraiment un degré de compréhension qui se fait par rapport aux éléments qu'on te donne, et ça fait appel à des connaissances, parfois même culturelles, genre faut que tu saches jouer du piano, enfin connaître une partition. Ah oui, putain, cette énigme-là, oui. C'est parce qu'en fait, c'est, on va dire, la grosse première énigme du jeu, c'est-à-dire que dans l'école, tu vas te retrouver face à un piano et tu as en fait des touches qui marchent et des touches qui ne marchent pas. Qui ne marche pas. Et on va dire que tu as à la réception en fait un indice, une écriture quoi, enfin un texte qui est dit le silence et le, enfin je sais plus trop ce que ça dit, mais ça dit en gros le silence est ton meilleur ami, enfin bref, un truc comme ça. Et donc du coup on doit toucher les touches qui ne fonctionnent pas, mais il faut que tu comprennes c'est quoi réellement les touches do, ré, mi, la, si, do. D'un piano, ouais. La piano quoi. Alors c'est ultra relou, mais encore une fois c'est efficace et c'est original, voilà, c'est original comparé aux autres Survival Horror quoi. Ouais, dans Resident Evil, là où les énigmes vont plus faire appel à la réflexion, Silent Hill, ça va plus faire appel à tes connaissances générales et culturelles, en fait. Ça va être ça la différence par rapport aux énigmes, en fait. Donc ça n'a rien à voir. C'est vrai que si t'es un peu, si tu sais pas comment utiliser un piano par exemple, bah t'es largué. Et il y a plein d'énigmes comme ça. Surtout que chose qu'on n'avait pas dit également dans le scénario du jeu, c'est que tu as deux mondes dans Silent Hill. Donc tu as le monde normal entre guillemets et le monde des ténèbres. Enfin, moi j'appelle ça le monde des ténèbres, où la ville devient tout dégueulasse, tout dark. Enfin bref, et les énigmes même là vont changer d'aspect comparé à la ville originale, là où les énigmes dans la ville normale, elles sont douces, on va dire, hein. C'est vraiment des énigmes assez douces, on va dire. Là, oui. Assez gentillette, ouais. Hein? Assez gentillette, ouais. Là où par contre, dans la version alternée, les énigmes vont être dégueulasses. C'est encore une fois là où je trouve vraiment l'intelligence donc de l'écriture des énigmes dans ce jeu, c'est que vraiment dans le monde alterné, t'as à un moment donné, c'est assez choquant jusqu'où ils ont été pour faire certaines énigmes quand même. Bah non, les énigmes, bah pareil, ça contribue au charme du jeu, hein, j'ai envie de dire, c'est que bah, ça se différencie en fait, encore une fois, du reste, ce qui se faisait à côté, la concurrence. Donc non, c'est très bien, mais après, c'est vrai que, enfin, bon, c'est bien, et en même temps, faut penser aussi que, bah, par exemple, on parlait de l'énigme du piano, tout le monde ne joue pas du piano. Tout le monde ne sait pas forcément qu'est-ce qu'est une partition, quelle touche correspond à quoi. Donc c'est bien et en même temps c'est y a un manque de soucis pratiques, surtout à l'époque. J'imagine quand il n'y avait pas Internet, ça devait être très compliqué parce que maintenant tu peux faire une recherche, tu te fais voir tricher directement, on peut le dire, hein, voir qu'est-ce qui correspond à quoi et tout. À l'époque, ça devait quand même être une galère. Hein. J'imagine pas comment on fait. Des gens qui faisaient le jeu à l'époque, ils savaient pas du tout comment fonctionnait un piano, par exemple. C'est vrai que putain, déjà, t'arrives aux premières lignes du jeu, bah tu cales déjà. Voilà, tu cales déjà. Et ça, c'est là où, par exemple, je vous disais que certains énigmes sont dégueulasses dans la version alternée. C'est par exemple, comment vous expliquer? C'est qu'ils vont être plus dans le gore. Voilà, ils vont être plus dans le gore, ces énigmes-là. Ils seront plus.
plus gore, plus crade, et c'est encore une fois bien pensé. Mais après, comme tu dis toi-même, c'est vrai que des fois, au milieu culturel, c'est vrai que tout le monde ne peut pas forcément savoir comment manœuvre. Vrai, Tout le monde ne hein. sait pas tout, hein, donc voilà. Mais dans un autre sens, ça a assumé. Donc forcément, après, ça peut également améliorer ta culture en jouant à Survival Horror. Donc moi, je trouve ça bien dans un sens aussi, tu vois. C'est sûr, mais après voilà, même Barry lui-même, je suis sûr, il ne sait même pas, il a jamais touché un piano de sa vie, tu vois. J'aurais dû demander à Jill, il l'aurait aidé. À fait. Donc voilà. Après, les monstres en eux-mêmes. Alors, le bestiaire, excellent. J'ai adoré le bestiaire de ce jeu. C'est même dans ce jeu-là où on voit vraiment, encore une fois, que le concepteur artistique des monstres, donc Masahiro Itō, a du génie. Voilà, a du génie parce qu'il y arrive à faire des monstres qui ne ressemblent à rien et qui font peur, quoi. C'est un truc de fou quand même. Moi, c'est-à-dire qu'au début du jeu, tu vas te retrouver face à des espèces de monstres volants. Je sais pas à quoi ça ressemble, à des espèces d'harpies là qui font énormément de bruit. Après, tu vas également te battre contre des espèces de chiens qui ne sont pas vraiment des chiens, qui encore une fois ressemblent à rien du tout. Après, t'auras une espèce de gorille, par exemple, une espèce de gorille, quoi. En fait, ils ont même pas de peau, ils ont rien, c'est bizarre, voilà, c'est des monstres qui n'aspirent rien, et c'est ça qui fait tout aussi peur, quoi. Ils sont pas vraiment censés faire peur, mais ils font peur quand même parce que tu sais pas c'est quoi. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment très intéressant avec le bestiaire du jeu. Surtout que au plus tu avances dans le jeu, au plus tu seras dans différents endroits, au plus tu auras des bestiaires qui seront différents d'endroits à d'autres. Par exemple, les monstres de l'école ne seront pas dans les monstres de l'hôpital, par exemple. Ouais, les bestiaires est très variés, évoluent beaucoup de tout le monde. On retrouve jamais les mêmes, en fait. Et c'est vrai que de ce point-là, bah bravo là, encore une fois, bravo au créateur du jeu et surtout à Masahiro Itō pour d'avoir réussi justement à réinnover un petit peu l'aspect artistique des monstres, parce que encore une fois, il aurait pu rester sur ce oeillier à mettre qu'uniquement le même genre de monstre, mais là même pas, non non non, ça change à chaque fois. Mais le pire quand même, c'est quand tu vas vraiment te battre contre des humains dans l'hôpital. Là franchement, c'est ce qui m'a le plus choqué, parce que le pire, c'est que c'est pas forcément des humains, quoi. Si, c'est des humains en fait, c'est des infirmières, des docteurs, des médecins, enfin en fait, qui sont pris par un espèce de parasite dans leur dos. Mais c'est horrible, en plus ils font des bruits, mais c'est atroce, ça en fait des cauchemars. Resident Evil 4 avant l'heure, un petit peu. Oui, carrément. C'est même en plus flippant, j'ai envie de dire, en fait. En plus creepy, ouais. En plus creepy, parce que autant dans Resident Evil 4, ils avaient quand même une espèce de petite conscience, on va dire, entre guillemets, hein. J'ai bien dit entre guillemets, ils commençaient pas à me dire que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit. Autant là, c'est trop bizarre, quoi. Sais pas trop comment expliquer ça, c'est vraiment trop bizarre, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. C'est assez perturbant, Mmh. Et je vais même te dire, moi je les trouve encore même plus horribles que les infirmières qu'on pourra voir dans Silent Hill 2 ou Silent Hill 3, quoi. Là franchement, je trouve que c'est les monstres les plus bizarres que j'ai pu voir dans les dans Silent Hill. Parce que on dirait que c'est des humains en fait qui souffrent, mais qui en même temps ils ont envie de te tuer, quoi. C'est pour ça que je trouve que ces monstres trop malsains, quoi. Ouais, non, mais le bestiaire, j'adore le travail de Masahiro Itō, donc non, je peux pas dire que c'est pas bien. Et surtout, oui, c'est extrêmement varié. Et parfois, il y a des formes de monstres qui nous paraissent absurdes, ça veut rien dire. Et au final, quand on s'intéresse, si on revient sur le scénario du jeu, ça a une cohérence, en fait. Ça a une cohérence et c'est... Non, c'est tout est... Rien n'est laissé au hasard dans ce jeu, en fait. Rien. Le moindre petit truc, c'est tout a un sens, tout a été fait par rapport à quelque chose, et c'est génial. Et
Et encore une fois, le type de monstre qu'on trouve dans Silent Hill, ben, on ne le retrouve pas dans d'autres survival horror de l'époque, de ce temps-là, quoi. C'est pareil, c'est complètement différent. Et c'est vrai que ça changeait également des zombies qu'on pouvait voir dans moult survival horror, parce que là où dans les survival horror en général c'était soit des zombies, soit des vampires, soit des monstres connus de l'horreur, là Silent Hill avait vraiment leur propre identité de monstre, quoi. Ça aussi c'est un coup de Ouais, génie. des créatures plus cauchemardesques, plus fantasmées, plus abstraites et tout. Et ils sont pas du tout tombés dans la facilité, hein. Pas du tout. Et c'est aussi à partir de là où vraiment le jeu bah, a réussi à se placer une place parmi les identités du survival horror, quoi. Ah ouais, parce que les créatures de Silent Hill, il y en a quelques-unes qui sont devenues cultes, vraiment, qui ont. C'est un bestiaire qui a marqué le bestiaire des jeux vidéo, quoi. De manière générale, je pense. Non, mais non, c'est de toute façon, ça a marqué le survival horror au niveau de ces monstres, quoi. Moi, je pense quand même, hein, que quand le moment, par exemple, où t'es dans les toilettes, là, et que tu ouvres la porte et que tu te retrouves face à un cadavre, ensanglanté, que tu avais déjà vu en plus au début du jeu, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Rien que ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, et pourtant, il fera jamais rien, c'est ça le pire, c'est qu'il bouge pas, il ne fait rien, mais ça te fait peur quand même, quoi, parce que tu te dis, est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose avec ce truc, quoi. Est-ce que c'est une des créatures qui provient de Silent Hill? Est-ce que c'est une victime comme toi qui a mal terminé, qui se retrouve enchaînée là? Tu sais pas. Ouais, voilà, et chaque monstre, chaque cadavre qu'on croise sur la route, c'est vraiment à se demander si ce qu'on voit là, c'est une interprétation, est-ce que c'est réel ou pas. C'est franchement, c'est impressionnant. Moi, franchement, je me suis bluffé par les monstres de ce jeu, quoi. C'est vraiment impressionnant. C'est vrai que c'était très bien vu parce que là, pareil, le bestiaire est en cohérence avec le reste parce que Silent Hill, ça mise vraiment sur l'inconnu, en fait, la peur de l'inconnu. Tout était nouveau dans ce jeu, vraiment. Le scénario, l'idée, les monstres et tout. Et je pense qu'on aurait été moins apeuré, effrayé, ça aurait été moins marquant si on avait été en terrain connu, tu vois. Si ça avait été déjà des créatures qu'on connaissait, comme t'as dit, des zombies, des vampires ou quoi, ou si ça avait été un scénario plus déjà vu, plus bateau, quoi. Là, tout est inédit et du coup, on est lancé dans l'aventure et on découvre tout au fur et à mesure des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant, en fait. Et c'est ça qui est vraiment prenant et qui fait flipper, quoi. Donc, c'était vachement fort, quoi. C'est vraiment l'un de ses plus gros points forts. Tout que là aussi, où ça fait vraiment peur au niveau des monstres, c'est que en général, quand tu vois des monstres comme ça, tu sais même pas comment faire pour les battre, quoi. Tu vois que c'est aussi ça aussi qui fait peur avec ces monstres, c'est que comme tu sais pas c'est quoi, tu sais pas comment les tuer ou autre. Quand tu vois que tu les tues avec une arme, mais même les tuer, quoi, ça te fait peur, quoi. C'est ça le pire. Là où dans les Resident Evil, à la limite, bon, t'as des zombies, voilà, tu les déglingues, c'est fun d'exploser leur tête. Là, dans Silent Hill, t'as limite t'as dégoût de les tuer. Tu prends jamais de fun à tuer les créatures de Silent Hill, ouais. Là où tu peux en avoir dans Resident Evil. Parce que, tout simplement, parce que dans ce Silent Hill, ils arrivent à te donner le dégoût avec des monstres, avec tes armes. C'est un dégoût d'affronter ces monstres, quoi. Ils font vraiment trop peur. Ils sont dégueulasses à affronter, quoi. Ce qui est pas un mauvais point, loin de là, parce que justement, ça suscite la peur. Encore une fois, c'est un jeu qui fait pas peur. C'est un jeu qui suscite la peur. Donc c'est pour ça que ça fait tout le temps peur à jouer à ce jeu, quoi, et à tuer ces monstres, quoi. C'est pour ça que moi je trouve ça vraiment passionnant avec ce titre. Donc voilà un peu pour le gameplay du jeu. Est-ce que t'as quelque chose de plus à rajouter? Pour le gameplay, non, juste que. Alors, il y a peut-être une imprécision aussi parfois quand tu tires à la visée avec les armes à feu.
qui peut être assez pénible, mais pareil, on peut raccorder ça si on veut au fait que Harry, bah, ça se trouve, c'est la première fois qu'il tire une arme à feu de sa vie et que forcément, bah, c'est en accord avec ça, il vise mal, il vise pas toujours juste. Il y a ça, il y a cette imprécision dans le gameplay un peu, avec les armes à feu, moins avec les armes blanches et les armes contondantes. Après les énigmes, ouais, voilà, tout est. C'est original, mais ça peut être un peu déroutant aussi. Non, j'ai rien à rajouter de plus, sinon. Ah, attends, on n'a pas parlé des boss, c'est vrai, je vais vous parler des boss. C'est vrai, il y a des boss dans le jeu, ça si, je vais vous en parler avant de parler des graphismes. J'avais bien, j'avais oublié de quelque chose. Donc, les boss, qui sont excellents d'ailleurs. Alors, même si j'ai trouvé le boss final assez moyen, personnellement. Alors, après, il faut savoir aussi qu'il y a deux sortes de boss, mais que ce soit les deux en général, je les ai trouvés assez moyens. Mais en globalité, j'ai bien aimé affronter les boss. Surtout l'espèce de gros ver là qui va sous la terre et puis qui réapparaît à certains moments. On l'avait pas dit, mais il y a plusieurs modes de difficulté aussi, hein, je crois, dès le premier. Oui, t'as le mode facile, normal et difficile. Ouais, voilà, ouais. Donc après bah ça viendra aussi également au niveau de la résistance des monstres hein, parce que c'est sûr que si tu joues en mode facile les boss tu vas les tuer mais là j'ai refait le jeu pour cette revue j'ai fait le jeu en mode facile et j'ai halluciné comment les boss ils sont faciles à battre quoi tu leur donnes trois coups trois quatre coups de pistolet les boss ils meurent quoi c'est j'ai halluciné là où dans le mode normal faut vraiment bien gérer ses munitions parce que dans le mode normal franchement je trouve qu'on n'a pas tant de munitions que ça quoi dans le mode normal c'est vraiment le strict au niveau des munitions donc vraiment autant dans le mode normal tu dois vraiment faire attention à tes munitions ou autres alors dans le mode difficile que je n'ai jamais fait à mon avis ça doit être encore pire autant dans le mode facile j'ai halluciné pardon de voir autant de munitions bon ok c'est pas un mode facile pour rien mais il pourrait au moins essayer de faire un mode facile où on a quand même l'impression de jouer à Survival Horror parce que quand t'as autant de munitions sur toi, autant d'armes, surtout pour un jeu qui essaie de susciter la peur, je trouve ça un peu contradictoire, surtout si on est avec le mode facile du jeu, quoi. Faut que ce soit facile, mais il y a des limites, quoi. Ouais, voilà. Tu vois, c'est un peu comme Resident Evil 3 avec ce mode facile où là, c'est vraiment abusé, quoi. Ah bah le 3, Resident Evil 3, c'est pire. C'est t'as mode facile ou difficile, mais c'est Et t'as pas d'entre-deux. Et c'est pour ça, tu vois, que j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a le mode normal pour ce jeu. Mais c'est vrai que putain, j'ai vraiment halluciné quand j'ai vu comment les boss, quoi, tu les tues aussi facilement dans le jeu. Pareil pour l'espèce de ver, je l'ai tué, mais très facilement. J'ai halluciné là où franchement, dans la version normale du jeu, j'avais pris quand même plus de difficultés à le vaincre. Donc ouais non mais sinon en général les boss sont vraiment excellents surtout dans le manège parce qu'à un moment tu vas dans un parc d'attractions dans le jeu hein, qui sera également dans le 3 qui est juste graphiquement magnifique qui fait froid dans le dos en plus parce que putain les parcs d'attractions horreur moi je trouve ça vraiment génial et là franchement dans le jeu ils l'ont fait c'est vraiment super et puis le boss que tu affrontes dedans bon après t'as deux façons de le battre également hein, qui va débuter vers là qui va débuter à une différence de fin mais ça j'en reparlerai plus après ouais on va peut-être pas trop spoiler non plus. Mais franchement ce boss là il est vraiment excellent franchement si tu l'affrontes en normal c'est excellent clairement donc voilà est-ce que t'as un mot à dire sur les boss? Bah les boss ils m'ont pas particulièrement marqué moi de mon expérience mais les boss ouais non c'est pour moi c'est tout le bestiaire les boss y compris c'est pareil en fait c'est j'ai pas d'avis spécialement différent Bah disons que les c'est boss, je vais pas dire que c'est un truc de fou, mais je vais pas dire non plus que c'est un mauvais point quoi. On va dire que les boss, ils sont là pour être des boss quoi. Ils font leur boulot. Après oui, ils restent moins impressionnants que dans un Resident Evil, ça c'est clair. Et les boss de Resident Evil, tu t'en souviens toute ta vie, hein. Qui s'en souvient pas de l'alligator dans Resident Evil 2 par exemple, voilà quoi. Mais dans Silent Hill, les boss certes ne sont pas marquants, mais après j'ai dans l'ensemble comme je dis, ils sont là pour être là. Et ils sont sympas, voilà. C'est des boss sympathiques, quoi.
Oui, c'est des boss qui font le taf, quoi. Donc voilà un peu, donc je pense que là, cette fois-ci, on a à peu près parlé de tout pour le niveau du gameplay. Donc comme je dis, niveau graphisme, moi je suis épaté. Voilà, moi je suis épaté encore aujourd'hui, je me dis que putain quoi, c'est de la PlayStation, voilà, c'est de la PlayStation. Je sais même pas encore aujourd'hui comment ils ont réussi à faire tourner ça sur PlayStation. Alors autant bien sûr la ville de Silent Hill, qui est d'ailleurs magnifique, hein, franchement graphiquement, la ville de Silent Hill est juste sublime, mais ce que je trouve quand même assez impressionnant, c'est qu'ils ont réussi également à trouver une issue au graphisme de la ville, c'est-à-dire qu'ils ont fait, bon, c'est pas à mon ouvert, attention, je suis pas en train de vous dire ça, mais c'est en fait une espèce de minimap un tout petit peu ouvert, entre guillemets, où tu peux aller que là où je peux te le dire, mais à certains moments, tu pourras rentrer dans certains magasins qui sont ouverts dans le jeu, un peu comme le commissariat ou alors la supérette de Silent Hill, où en fait t'es pas obligé d'y aller, mais tu peux y aller pour récupérer des soins ou des munitions. Et vous voyez, voilà, c'est un tout petit peu ouvert, mais c'est vraiment rien du tout, quoi. C'est semi-ouvert, voilà, on va dire que c'est semi-ouvert. Et je trouve ça impressionnant parce que tu vois, t'es vraiment dans une espèce de ville et ils ont réussi à trouver, on va dire, un compromis avec le clipping, parce que oui, dans le jeu, il y a du gros clipping, mais c'est excusé par rapport au brouillard du jeu. Voilà, parce que la ville de Silent Hill, c'est du brouillard, hein, le brouillard qui est devenu culte au fur et à mesure dans Silent Hill. Qui est devenu culte, mais qui n'était pas censé être là à la base, en fait. Qui n'était même pas censé être là à la base. En fait, à la base, le brouillard de Silent Hill, c'était un moyen astucieux de camoufler parce que sur PlayStation 1, c'était assez faible la capacité, la puissance d'image, en fait. Et ils pouvaient pas afficher toute la ville en 3D à l'écran, c'était pas possible. Et donc le brouillard, c'était un moyen de camoufler ça, mais c'est resté un élément culte, alors qu'à la base c'était pas censé être là. Bah, c'est ça aussi que je trouve vraiment assez impressionnant avec le jeu, c'est que justement ils ont trouvé quelque chose qui est avec l'identité du jeu, et qui en plus arrive quand même à rendre le jeu magnifiquement graphiquement, quoi. À rendre le jeu magnifique graphiquement. Et c'est là où je trouve vraiment que putain, mais je sais pas comment ils peuvent avoir des idées de génie comme ça, mais fallait y penser, quoi. Fallait y penser, parce que ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais le jeu n'a pas fait comme d'autres Survival Horror, c'est qu'il n'a pas fait un jeu entièrement en 2D précalculé. Ils auraient pu faire de la simplicité et faire un jeu en 2D précalculé, mais encore une fois, non, là, on te fout carrément de la vraie 3D, quoi. De la vraie 3D. C'est un truc de malade, quand même. Franchement, c'est, voilà. Moi, j'ai envie de dire que Konami, il gère au niveau des graphismes sur PlayStation, quoi. Parce que, comme je dis, déjà, Metal Gear Solid était graphiquement sublime. Alors, putain, c'est gentil, quoi. Parce que, là aussi, j'ai trouvé ça assez hallucinant. C'est que t'avais des mecs, quand même, et même à l'époque, hein. Même à l'époque, je tiens à le dire, hein, je dis pas ça encore aujourd'hui. Mais même à l'époque, les gens disaient que Silent Hill avait une 3D moche. Quoi? Là, je comprends pas, là. Le jeu est moche, alors que c'est un des plus beaux jeux de la PlayStation et qui en plus utilisait de la 3D, quoi, de la vraie 3D. Et le pire, moi, ce qui m'hallucine, c'est que par exemple, quand t'entres dans une maison, t'as vraiment l'impression d'être dans une maison, quoi. Putain, t'as une petite cuisine sur le côté, ouverte sur un salon. C'est énorme le boulot qui a été effectué, quoi, sur les décors du jeu. Pareil, t'arrives dans une école, t'as carrément les bureaux qui sont bien alignés comme dans une école, t'as le tableau. C'est con, mais en fait on dirait qu'il y a des c'est comme si en fait ces décors montrent qu'il y a des gens qui vivaient là. Voilà, c'est des gens en fait qui vivaient là. Je trouve ça assez incroyable quand même. Là où tu vois la 2D précalculée, malgré que j'adore la 2D précalculée, bah tu voyais que c'était des décors qui ont été faits pour le jeu, où c'était vraiment où c'était limite des décors qui étaient là pour accueillir le gamer, tu vois. Alors que là, dans Silent Hill, les décors, on dirait qu'ils ont été créés de sorte qu'il y avait des gens qui vivaient dans ce décor. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y avait de la vie, quoi. Ouais, voilà. En fait, par exemple, dans l'école qu'ils ont réussi à modéliser,
Ben, j'arrive à imaginer des enfants qui sont là en train d'écouter leur maîtresse, en train de montrer un cours à ses élèves. Tu vois, c'est con, mais c'est comme l'hôpital, quoi. J'ai vraiment cette sensation d'être dans un hôpital et de voir vraiment des gens qui couraient à droite et à gauche avec des médecins et tout, qui essaient de soigner leur malade. Voilà. Alors que non, ce qui est plus flippant, c'est qu'on est tout seul dans ces lieux où il est censé avoir énormément de monde, quoi. Et on n'est que sur PlayStation avec un souci du détail méga impressionnant. C'est pareil lorsque tu dois ouvrir le pont, là, quand tu dois ouvrir le pont pour passer à une autre zone, t'es en haut, voilà, et t'ouvres le pont et tu vois le pont qui se baisse depuis ta fenêtre, quoi, mais c'est énorme. Et je ne comprends pas comment on puisse dire que ce jeu est moche. Je ne comprends même pour l'époque, je comprends pas comment on peut se dire que ce jeu est moche. Alors autant pour le personnage de Harry, je peux comprendre encore que la modélisation soit pas exceptionnelle, mais encore une Il est fois. assez anguleux, raide et tout, hein. Mais encore une fois, faut pas oublier que encore une fois, c'est de la 3D. Alors autant dans Resident Evil, on pouvait créer vraiment des personnages plus beaux grâce à la donnée précalculée, autant là, c'est quand même de la vraie 3D. Ça prend beaucoup de place, ça prend énormément d'espace sur un disque PlayStation. Donc à cause de ça, bah, ils ont dû réduire la modélisation du personnage. Un peu comme dans Metal Gear, où tu vois également que les personnages, ils sont pas extrêmement aussi bien faits que dans un Resident Evil ou dans un Final Fantasy VIII, par exemple. Pas Final Fantasy VII, hein, je tiens à signaler. Dans les jeux en décor 2D précalculé, forcément, ils peuvent miser tout le budget de la 3D sur les personnages, donc ça va être plus détaillé, mieux fait. Contrairement à là où tout est fait en 3D, donc bah, la modélisation des personnages en 3D va être un peu en dessous, quoi. Contrairement à des jeux qui se font en 2D précalculé, en fait. Surtout que c'est vrai aussi l'animation du personnage qui est pas forcément extraordinaire également. Bah, il a un peu le syndrome du balai dans le derrière, quoi. Bah c'est exactement ça, c'est ça le pire. Donc voilà, à la limite, je peux comprendre l'animation du personnage qui est un peu en déca par rapport à d'autres personnages, et également la modélisation également du personnage qui est un peu moyen par rapport à d'autres titres, mais en général, ça passe quoi. Comme je dis, ça passe quand même. C'est pas non plus un énorme point négatif, comme je dis. On a vu largement pire, mais on a vu mieux. Ça, c'est vrai. Mais encore une fois, pour ma part, c'est largement passable, surtout quand tu vois les décors Ça reste propre, faut arrêter de déconner, quoi. C'est de la dire que c'est moche, faut arrêter. Surtout qu'encore une fois, c'est ta PlayStation, je tiens à dire, la PlayStation 1, quoi. Donc voilà. Surtout que comme je te dis, pour moi, c'est l'une des plus belles 3D que j'ai pu voir sur PlayStation. Voilà, je te le dis honnêtement, je sais pas ce que t'en penses, mais moi. Bah, des jeux 3D, j'en ai pas fait des masses non plus sur PlayStation, mais ouais, il y avait les Tomb Raider quand même. Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Pour mon expérience personnelle, en tout cas, c'est vrai que bon, il y avait les Crash Bandicoot aussi quand même, qui étaient très beaux, tout en 3D. Après c'est pas non plus le même style de jeu quoi. Là où t'as Crash Bandicoot, il est plus cartoon, donc Plus cartoon, forcément mais c'est plus l'univers facile. il sera plus cartoon. Alors que là, Silent Hill, c'est vraiment tapé dans le réalisme gore, Ouais. horreur. C'est ça qu'il faut se dire aussi, ouais. Donc c'est là où vraiment encore une fois c'est juste impressionnant. Bon après pour 1999 c'est aussi logique que le jeu devait être beau quoi. Comme je dis c'est un peu logique aussi, on est quand même vers la fin de la PlayStation, début PlayStation 2. Donc c'est un peu normal aussi que le jeu se devait être quand même être graphiquement à la hauteur de la machine quoi. Après là aussi j'étais très bluffé, c'est également au niveau des lumières, franchement le jeu de lumière qui est juste bluffant, franchement
franchement, déjà, il y a un jeu qui arrivait également à avoir des effets de lumière comme ça, qui c'était magnifique, c'était Alone the Dark, The New Nightmare aussi, qui avait un effet de lumière vraiment magnifique. Mais là, franchement, Silent Hill, encore une fois, là où c'est beaucoup plus impressionnant que Alone the Dark, parce que Alone the Dark, encore une fois, c'était des décors en 2D plein calculés. Là, dans Silent Hill, ça utilise encore une fois de la 3D, de la vraie 3D, quoi. Alors, ouais. Quand tu vois des effets de lumière aussi beaux dans un genre 3D, mais putain, ça force le respect, quoi. Ça force le respect. Moi, je dis que ça force le respect. Là aussi, j'étais également assez impressionné. Bah, c'est également au niveau de la modélisation des monstres également, hein, qui sont vraiment magnifiques également. Bah, comme j'ai dit, les médecins, les docteurs et tout dans l'hôpital où tu vois qu'ils ont une espèce de parasite qui bouge derrière leur dos, quoi. C'est super bien fait, quoi. Merde. Ah ben c'est simple, même je trouve les monstres plus réussis dans leur modélisation 3D que les personnages humains. Ils sont plus impressionnants. Je pense que vraiment, ils ont vraiment voulu accentuer la modélisation sur les monstres, quoi. Ouais. Là où vraiment les personnages, dans un sens, ils ont vraiment une modélisation simpliste sur PlayStation, là, les monstres, ils ont vraiment voulu en faire des créations où ils ont voulu mettre toute la puissance. Voilà. C'est ce qui a dû demander le plus de temps aussi, donc forcément. Ah bah carrément. Surtout pour le designer de génie qui est Masahiro Ito, quoi. Mm. Voilà, après je peux encore parler de quoi, des cinématiques. Parce qu'il y en a besoin d'en parler, des cinématiques qui sont vraiment excellentes. Voilà, et encore une fois. On pense à l'intro qui est vraiment sublime. Je pense également à chaque apparition de certains personnages. Qui sont super bien faits, encore une fois, surtout Laura, encore une fois, l'infirmière, hein, qui franchement... Lisa. Ouais. Lisa, pardon, pourquoi j'ai dit Laura, pardon. Lisa, pardon, dont sa scène, comme on a dit, on va pas spoiler, mais elle a une scène, à un moment donné, qui est juste magnifique entre la poésie et l'horreur, qui est qu'une cinématique, mais qui est juste magnifique, franchement, c'est un truc de fou. Ouais, les cinématiques et tout, c'est top, quoi. On est dedans, clairement, on est dedans, dans l'ambiance, dans tout. On est en totale immersion et ça marche complètement, donc il n'y a rien à dire, quoi. Donc juste bravo. Alors, moi j'ai juste bravo pour ce boulot démentiel qu'on fait au Konami, qui encore une fois, au lieu de faire la simplicité du 2D précalculé, on préférait rester sur une 3D, et c'était pas évident, quoi. C'est franchement, ça pouvait ne pas être évident. Hein. Que ce soit sur tous les aspects, les gameplay, les graphismes, le scénario, tout, ils se sont complètement différenciés du reste. Complètement. Sur tous les niveaux. Les énigmes, tout. Et moi, rien que pour ça, je ne peux que les féliciter. Donc voilà, on va passer également à la bande-son. Alors forcément, bon, allez, je vais te laisser parler des musiques parce que je crois que tu adores ce gars, donc allez, vas-y, lâche-toi. Ah, mais qui ne l'aime pas ? Akira Yamaoka, s'il vous plaît, le dieu, le génie, le talentueux. Non, franchement, c'est Akira Yamaoka. Bon, je suis pas. J'aime beaucoup, surtout son travail sur Silent Hill. C'est vrai que je me suis pas vraiment intéressé plus que ça à sa carrière en général. Je sais pas ce qu'il faisait avant Silent Hill. Après, je sais ce qu'il a fait, un petit peu vite fait dans le jeu vidéo, et qu'il a quitté Konami, la Silent Team, il a fait ses propres trucs ailleurs, ce qui est un peu dommage aussi. Mais bon, quand on voit ce qui est devenu Silent Hill par la suite, c'est peut-être pas plus mal dans un sens, mais ouais, Akira Yamaoka, qui vraiment, qui, pareil, chaque membre de la team, donne du sens et mettent tous par leur travail en immersion dans ces lentilles et les musiques. Les musiques, elles en font complètement partie. C'est même pas seulement les musiques, c'est aussi le sound designer. Et ils travaillent tous les sons. Ce qu'il expliquait aussi en interview, c'était
le fait de savoir jouer avec le silence. Et ça, c'est quelque chose qui, pareil, fonctionne très bien dans Silent Hill, c'est les moments de silence, en fait. Où parfois, il n'y a pas besoin de musique. Et t'as juste du silence, mais t'as des sons, les bruits de pas, des bruits de porte, quand tu vas toucher quelque chose, ou n'importe quoi. Et ça aussi, c'est très bien géré. Et après, t'as les musiques forcément d'Akira Yamaoka qui sont magnifiques, mais qui là vont venir dans des scènes, des moments plus particuliers du jeu, comme les cinématiques, l'intro, la fin, forcément, le générique de fin. Et ça va vraiment venir accentuer l'aventure, en fait, les musiques. Parce que généralement, il y a pas de musique, en fait, hein, dans Silent Hill. Hein. Quand t'es dans le jeu, dans le gameplay, c'est le silence, la radio, le fait de savoir jouer avec les bruitages, en fait. Entre le silence et les bruitages, et ça nous plonge dans une ambiance. On a l'impression vraiment d'être dans un cauchemar, quoi, même au niveau son. Et c'est ultra bien fait à ce niveau-là aussi, quoi. Y a pas grand-chose à dire, je pense. Je sais pas ce que t'as à dire, toi, dessus. Moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est surtout pendant les dialogues. Voilà, c'est-à-dire que, comme tu dis, il y a beaucoup de silence dans le jeu pendant les phases. En fait, c'est là où, encore une fois, tu vois que ce jeu, mais il viole tout ce qui a été fait jusqu'à son époque. C'est que, là où dans les autres survival horror, en général, ils mettent des musiques pendant les phases de jeu, lui, c'est tout le contraire. Il met que des musiques pendant les phases de dialogue ou les phases de cinématique. Et après, pendant tout le jeu, c'est que du silence, 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 t'entends. Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que ça me fait peur quand j'affronte les espèces de créatures. Ouais. Parce que t'entends leur cri, t'entends voilà, mais t'as pas de musique, t'as rien. Et c'est pour ça que ça fait peur. T'as l'impression. C'est un silence qui devient lourd, perturbant, en fait. Et c'est pour ça aussi que ça me fait peur d'être dans cette école où il est censé avoir plein d'enfants qui courent, qui hurlent, comme des malades et qui s'amusent ou qui essaient d'apprendre leurs leçons ou autre, et que t'as personne, c'est qu'un silence, t'as rien, t'es tout seul. C'est flippant. T'as pas un bruit, quand même. C'est flippant, pareil à l'hôpital. C'est, je sais pas, mais c'est quand même horrible quand même, et c'est pour ça que je trouve ça impressionnant, quoi. T'es tout seul dans des endroits où c'est censé être extrêmement animé. C'est ça, ouais. Ça rajoute au glauque du jeu. Et c'est là où, franchement, ce silence, comme t'as dit, mais bravo, quoi. Franchement, Akira Yamaoka, d'ailleurs, tu me disais que tu t'avais pas vu ce qu'il avait fait plus tard. Alors, je sais que... Plus tard, si, c'était avant. Avant sa carrière. Ah, avant Silent Hill. Ouais. Parce que je sais que plus tard, il avait travaillé notamment sur un jeu que j'avais adoré sur Vita, qui m'a fait un peu penser à l'univers Tim Burton Silent Hill, qui s'appelle Murasaki Baby, dont j'ai déjà fait une review du jeu, d'ailleurs, sur ma chaîne. Un bon petit jeu, d'ailleurs, de la PS Vita, très sous-estimé, d'ailleurs, qui aurait pu être meilleur, mais dont tout de suite on a dit que ça allait être un super jeu, un très grand jeu de la PS Vita, alors que ça n'a jamais été dit être un très grand jeu de la PS Vita, mais juste comme un bon jeu de la PS Vita, et qui est très bon d'ailleurs, et qui a fait vraiment un boulot très bon sur ce jeu, et qui d'ailleurs également à certains moments il y a ces petits effets de silence comme ça, surtout que le jeu utilise un peu le système de la peur infantile, et à un moment donné t'es devant un espèce de pluie de dents, voilà, t'as une pluie de dents, en fait, et qui évoque un peu le dentiste, et en général, les enfants ont peur du dentiste, et en fait, c'est juste un silence, et t'entends juste le bruit des dents, en fait, qui tombe sur le personnage, c'est méga glauque, et c'est là où tu vois vraiment la perfection de Akira Yamaoka, et ce système-là, je trouve que il l'a bien utilisé dans ce Silent Hill, et comme je t'ai dit, vraiment ces décors vraiment où même dans la ville, hein, même dans la ville là où t'es censé avoir plein de gens, voilà, autant dans la ville encore, bon, tu vois qu'il y a dû avoir quelque chose avec les cratères qu'il y a au milieu de la route ou autre, bon, à la limite c'est censé être une ville fantôme, donc voilà, mais voilà, moi je trouve ça assez impressionnant, ce boulot qui a été effectué au niveau de l'ambiance et de l'OST en général du jeu, parce que pour les musiques en eux-mêmes, ils sont excellentes, j'adorais la musique de l'intro, j'adorais la musique de fin du jeu, voilà, tout simplement, j'ai adoré. Qu'est-ce que je peux encore dire également au niveau du doublage? Alors au niveau du doublage, on en parlait juste avant,
un petit peu avant. Le doublage, bah, comme je dis, je kiffe ce doublage. Je le kiffe, franchement, je le kiffe. Mais c'est vrai qu'il y a certains trucs, ça manque un peu de vie quand même. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Dans les cinématiques, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de temps de latence, en fait, entre chaque ligne que va prononcer un personnage. T'as un personnage, il dit une phrase, et t'as genre une seconde, plus d'une seconde, avant qu'il prononce, enfin, qu'il dise son autre phrase, d'après. Ou il y a un personnage qui va poser une question, et le personnage va mettre plus d'une seconde et demie à répondre. Il y a un gros temps mort, en fait. Et ça fait des cinématiques qui sont longues. Et ça se remarque surtout dans la première cinématique, dans l'espèce de cafétéria où Harry rencontre Sibyl. Il y a des gros temps morts entre chaque ligne que prononcent les personnages. C'est assez spécial, en fait. Mais sinon, après, le doublage en lui-même, les voix des personnages, enfin le jeu des comédiens qui préparent voix aux personnages, moi je trouve ça bien. Enfin, chaque voix correspond à chaque personnage. Moi, j'ai trouvé personnellement que la performance la plus prenante et la plus réussie, c'était celle de Lisa. C'est vrai que celle de Lisa est vraiment excellente. Et surtout la scène iconique avec Lisa. Bah franchement, là, le doublage, il est vraiment prenant aussi là, dans cette scène. Ouais. Ça me donne toute l'émotion et toute l'ampleur de la scène, quoi. Harry Mason. Bah moi, comme je vois pas où est le problème avec le doublage. Comme je dis, c'est vrai qu'à certains moments, ça peut peut-être manquer de vie. Mais j'ai envie de dire, dans un sens, on est quand même on est quand même sur PlayStation. De deux, les personnages ne sont pas extrêmement bien animés. Ce qui est encore une fois assez logique. Il n'y a pas d'expression faciale et tout, donc forcément. Là où les voix seront améliorées dans Silent Hill 3, mais c'est un peu logique parce que là, les animations faciales seront beaucoup plus exploitées également dans Silent Hill 2. Mais là, comme je dis, voilà, on voit pas les personnes, leurs lèvres ne bougent pas, ils ont même pas de lèvres de toute façon, donc de toute façon, voilà, ça s'est fait. Et je trouve vraiment que le ton de voix, comme t'as dit toi-même, correspond bien au personnage. Donc c'est pour ça que je trouve que le doublage ce sera ni un point fort ni un point faible, parce qu'ils sont à la fois bons et à la fois spéciaux. Et j'ai l'impression en fait que c'est un petit peu voulu parce que ça donne un effet de vertige un peu au jeu, tu vois. Où on a l'impression voilà que c'est j'ai un peu cette sensation que c'est un peu assumé dans le sens où les personnages on va dire ils sont complètement dans plein cauchemar, tu vois, ils sont complètement on dirait qu'ils ont fumé un joint, quoi, et puis qu'ils sont complètement en train de planer, quoi, ils sont en train de parler tranquillement comme ça en disant que c'est l'apocalypse. Je sais pas, ça me fait un peu rire. Ouais, ils parlent dans le plus grand des calmes alors que c'est le chaos total autour d'eux. Voilà, c'est ça, voilà. Et je trouve ça énorme, quoi. Alors que dans Resident Evil, par exemple, les conversations entre les personnages, c'est des conversations vraiment paniquées. Qu'est-ce qui se passe, machin. Et là, non. C'est. Même si, bon, dans le premier Resident Evil, c'est même trop surjoué, on va dire. Ouais, bon, ça, c'est un peu autre chose. C'est même trop vivant dans Resident Evil. Là où dans Silent Hill, c'est pas assez vivant. Mais je pense justement que c'est fait exprès. Je sais pas, enfin, je peux me tromper. Mais je pense à un sens que c'est un petit peu fait exprès quand même. Mais bon, même si le gars quand même il a perdu sa fille, il est là. Est-ce que vous avez vu une fille petite, brune? Je veux courir. Alors que le mec, il va être paniqué, quoi. J'ai perdu ma fille. Le mec, il devrait être paniqué, quoi. Mais non, tranquille, voilà, il explique. Oh oui, j'ai perdu ma fille. Vous savez, elle est petite. Mais je sais pas, j'ai l'impression, en fait, que c'est, voilà, j'ai retrouvé mon mot de tout à l'heure. Ils veulent essayer de donner un sentiment de malaise quand les personnages y parlent. Voilà. J'ai ce sentiment qu'ils veulent donner une espèce de sensation de malaise quand les personnages qui parlent, quoi, qui sont complètement paumés, ils savent pas quoi faire, et pourtant c'est le chaos comme pas possible, parce que moi je pense que si j'ai des monstres comme ça qui déboulent dans ma rue, je pense que je pète un câble, hein. Ouais. Donc c'est pour ça, voilà. Honnêtement, le doublage, c'est le plus gros mystère de ce jeu. Voilà, pour ma part, c'est le plus gros mystère de ce jeu. Alors, à la fois, ça coïncide avec l'animation des personnages, surtout que les personnages, comme je l'ai dit, ils font que se regarder et parler.
Mais à la fois, c'est vrai que bah, ça manque un petit peu de vie dans la façon de parler. Mais encore une fois, est-ce que... Ah, les cinématiques sont jamais très mouvementées, hein. C'est limite, les personnages, t'as l'impression, ils parlent autour d'un café, hein, parfois. C'est... Alors, t'as vu quoi aujourd'hui? Oh, bah, j'ai vu des monstres qui ont dans la rue. Oh, bah. Ouais, toi. Classique. Et toi, bah, j'ai perdu ma fille. Ah, bah, d'accord, bon, bah. Oh. Tu veux bien essayer de m'aider à la retrouver? Ah non, j'ai pas le temps, désolé. J'ai un culte à faire. Non, mais c'est un peu ça, parfois, t'as l'impression. Bon, j'ai bien aussi aimé le doublage de la fille de l'église, je mets son nom. La fille de l'église. La femme de l'église, la vieille. Là. Dahlia. Dahlia, voilà. J'allais dire Dalida, mais j'avais peur de me tromper. Comme tout à l'heure, j'ai confondu Laura et Lisa. Donc voilà, Dahlia, merci. Voilà. À la limite, elle, j'ai bien aimé. Elle est un peu plus vivante quand même dans sa façon de parler aussi. Je trouve. Dahlia, ouais, la voix de Dahlia est très bien. Toutes les voix sont très bien. Hein. Toutes les voix correspondent à tous les persos. Mais ouais, après, il y a des interprétations qui se démarquent un peu plus que d'autres, je dirais, bah, comme Dahlia ou Lisa. L'interprétation de Lisa est vraiment très très bien, c'est vraiment la meilleure du jeu, je trouve. Bah ouais, Dahlia aussi est très bien dans le rôle de cette folle du culte, très manipulatrice et tout. Elle est à fond dans sa religion, comme on dit. Ouais, ouais. Donc voilà, un peu en gros pour la bande son Watt, t'as rien de plus à rajouter? La bande son, non, hein, comme on a dit, les musiques qui viennent parfaitement accentuer les cinématiques d'Akira Yamaoka, et puis le gameplay avec ce jeu du silence et des bruitages qui est extrêmement subtil et qui contribue à créer une ambiance lourde de cauchemar en fait. On a vraiment l'impression d'être pris au piège, super bien fait. Bah, les doublages, on vous en a parlé, les voix, tout ça, non, c'est tout est très bien fait, quoi. Là, pareil, rien n'a été laissé au hasard, comme je l'ai dit au début. Donc, voilà un peu en gros. Pour la bande-son, je vais terminer un peu cette review également avec la durée de vie qui est excellente. Hein, comptez entre 8 et 9 heures de jeu la première fois que vous faites le jeu sans Solus. Sans Solus, parce que encore une fois, comme t'as dit toi-même, rien que pour l'énigme du piano par exemple, franchement ça va vous mettre des heures. Hein. Moi, il faut savoir que j'ai fini une fois le jeu sans Solus. J'étais même avec un pote qui lui fait du piano, hein. Donc j'ai eu de la chance dans un sens. Enfin un ancien pote, je tiens à dire un très ancien pote qui n'est plus vraiment un pote, enfin bref, on s'en fout. Une légende comme j'appelle ça qui à l'époque on s'était fait le jeu pendant 3 jours chez moi, on était en vacances, on avait fait le jeu chez moi, c'était génial, pendant 3 jours on était à fond dedans, mais vraiment on a joué à ce jeu pendant 3 jours matin et soir, quoi, on était à fond dedans, on l'a fini en 3 jours, mais vraiment je peux vous garantir que faut s'accrocher sur certains énigmes. Et voilà quoi. Donc encore une fois, vraiment sans Solus, je dirais entre 8 et 9 heures pour le terminer. Et sinon, si vraiment vous connaissez très très bien le jeu, allez, en même pas 4 heures de jeu, vous le terminez. Mais vraiment, faut bien connaître le jeu par cœur. À savoir également qu'il y a 4 fins disponibles. Donc il y a la très très mauvaise fin, la mauvaise fin, la bonne fin et la très bonne fin. Et une fin bonus. Avec des martiens, voilà. La fin UFO. Voilà, qui la fameuse. Qui restera culte au fur et à mesure des jeux. Qui est récurrente dans les Silent Hill, la fameuse fin UFO. Ou comme je dis, de toute façon, je pense que c'est ce genre de fin, je pense surtout, c'est encore une fois pour vous dire, vous inquiétez pas, ça reste un jeu vidéo, ça a beau être crade, ça a beau être de l'horreur, ça a beau faire peur, ça reste un jeu vidéo, voilà. Ouais. Un peu surtout comme la cinématique de fin, enfin, pas la cinématique de fin, mais la cinématique après le générique de jeu, où en fait, c'est un espèce de truc façon bêtisier de film. Oui, complètement. Comme si les personnages, en fait, c'était des acteurs de séries ou de films, surtout de séries, en fait.
et Avec qui... une musique de merde, quoi. Enfin, pas une musique Ouais. de merde, mais vraiment une musique genre vieille série des années 60, quoi. Et qui sont en mode on vient de faire une prise ratée, on recommence. C'est génial. C'est énorme. C'est énorme. Vous voyez, c'est vraiment le genre de cinématique, comme je vous dis, où c'est fait pour dire, voilà, ça beau faire peur, ça beau être un jeu crade, ça beau être gore, ça beau être des enfants zombies ou autre genre de conneries, c'est qu'un jeu vidéo, c'est que de la fiction. Voilà. Faut arrêter de prendre ça au sérieux. Voilà. Tout simplement. Et moi, je trouve ça cool. Parce que moi, derrière ces choses-là, je pense qu'il y a surtout un message. Ou encore une fois, ça prouve un peu ce mur qu'il y a entre la fiction et la réalité, quoi. Donc voilà un peu en gros, je sais pas, est-ce que t'as trouvé que le jeu avait une bonne durée de vie? Une très bonne durée de vie. Durée de vie tout à fait correcte pour un survival horror, une bonne rejouabilité. Les fins sont toutes intéressantes, je dirais. Elles changent pas énormément, mais ouais, non, la durée de vie est bien. Je dirais, moi, je l'ai fait où j'ai trouvé de l'intérêt à le refaire deux fois, c'était pour la fin de l'UFO. Voilà. Après, j'ai pas spécialement refait le jeu pour les autres fins. Je pense que t'as fait une fin, une des fins principales et la fin UFO. Ça va. Après, c'est toujours un kiff de le refaire ce jeu. C'est toujours un plaisir à y jouer, et c'est un jeu voilà qu'on ne se lasse pas de faire quoi. Complètement. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter? À savoir qu'il y a une fin qui est officielle. Ça aussi, c'est à savoir, c'est qu'il y a une fin qui est officielle, qui sera confirmée dans Silent Hill 3. Ouais, tout à fait. On va dire que c'est la bonne fin. Enfin, pas la très bonne fin, mais la bonne fin, tout simplement. La fin canon, quoi, la fin canonique. Voilà, tout simplement, ce sera donc confirmé avec Silent Hill 3. Et donc voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour du jeu. Pour conclure, point positif, un scénario de psychopathe, des personnages super bien écrits, des dialogues excellentes, un gameplay efficace, des caméras bons, mais à la fois, vous verrez dans les points négatifs, le bestiaire qui est très très bon, la carte. Franchement, qui est excellente, les énigmes qui sont bien construits, graphiquement c'est magnifique, les effets de lumière sont splendides, les cinématiques sont excellentes, les monstres sont super bien modélisés, un univers de malade mental, une OST sublime d'Akira Yamaoka, une ambiance de fou, 8-9 heures de durée de vie avec 4 fins, bref, c'est du tout bon. Point négatif. Des caméras parfois très très gênantes où il faut remettre la caméra derrière le personnage. Un menu qui est extrêmement bordélique. Des temps morts dans les dialogues qui sont assez perturbants à certains moments. Et je crois que c'est tout pour le jeu. Je vois pas ce que je peux dire de plus au niveau des points négatifs. Pour conclure, Silent Hill est juste un monument absolu de l'univers du Survival Horror et à classer parmi les plus grands chefs-d'œuvre du Survival Horror. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Mugi? La vie globale sur Silent Hill. Ouais. Ah ben, c'est un jeu culte, complètement. C'est un jeu culte, c'est une des pièces maîtresses du Survival Horror. Voilà. Il n'y a pas plus que ça à ajouter. Le problème, c'est que tu vois, dans ce genre de situation, t'as l'impression que même le mot chef-d'œuvre ne suffit pas avec un tel jeu comme ça, quoi. Ah oui, complètement. C'est ça le problème, c'est que, vous voyez, je vous dis à chaque fois dans mes reviews, voilà, c'est un très bon jeu, c'est un chef-d'œuvre, ouais. Mais des fois, Silent Hill fait partie de ces jeux où même le mot chef-d'œuvre, je trouve que c'est pas assez pour un tel boulot qui a été effectué sur un jeu comme ça, quoi. Ça a tellement marqué le jeu vidéo, l'histoire du jeu vidéo, que voilà, c'est un indispensable, c'est un immanquable. Tu parles pas de jeu vidéo, de l'histoire du jeu vidéo sans Silent Hill, c'est pas possible.
Et tu vois, c'est pour ça que dans un sens que ça me fait très mal de voir des gens aujourd'hui dire ah non, moi je peux pas faire ce jeu, il a trop mal vieilli, etc., etc. Parce qu'ils se mettent une épine dans le pied parce que ils passent à côté de quelque chose d'extraordinaire. Je suis complètement d'accord. Et comme je l'ai dit, pour ma part, il faut se remettre dans le contexte d'une époque, il faut se remettre dans le contexte de ce qu'était le jeu. Et moi, je peux vous dire que en me disant que ce jeu est juste un jeu PlayStation, eh ben, je prends des baffes graphiques, même plus que quand je joue à des jeux PS4. Mais bon, quand tu vois certains abrutis te dire que God of War 3 a vieilli, voilà quoi, tu te dis, c'est bon, ces mecs-là, allez vous jeter sous un pont, faites quelque chose. Voilà, allez dans la ville de Silent Hill, faites quelque chose, remettez-vous en question, enfin bref. voilà un peu en gros. C'est très important de pas se laisser, de s'arrêter à la jaquette d'un jeu ou l'image, une première image, quoi. Faut voir au-delà et de laisser sa chance, quoi, au truc. Mais oui, voilà, tout simplement. Parce que si tout le monde réagit comme ça, mais tout le monde passe à côté de trucs incroyables, quoi. Ah non, mais Et c'est dommage. c'est incroyable quand on me dit aujourd'hui non, je fais pas Silent Hill, ça a trop mal vieilli. Franchement, faites pas ça. Voilà, j'ai envie de dire, faites pas ça. Arrêtez vos jeux à la con là, que ce soit Fat Night at Freddy, je ne sais quoi, ces choses-là là, c'est nul ça, c'est de la merde comme on dit, c'est de la merde. Ça joue à des vrais jeux comme Silent Hill, ça c'est du vrai jeu vidéo. Ça c'est un jeu à faire et c'est un jeu à vivre. Voilà, je le dis, c'est des jeux à vivre. Donc voilà, bah écoute Boogie, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir encore une fois accepté mon invitation donc sur ce Silent Hill là. Eh ben, merci à toi. J'espère que ma présence a été pertinente. Bah, excellente même, j'ai envie de dire, hein. C'est toujours un plaisir de te recevoir, bah, surtout pour parler de Silent Hill, parce que je sais que c'est encore une fois c'est une série que tu idolâtres, tout comme j'idolâtre. Oui, ben, une et série de cœur, forcément. pourquoi pas sur un futur Silent Hill 4, hein, qui sait? Qui sait? Qui sait? Faudrait que je le fasse avant quand même, hein, histoire de. Ouais, moi aussi il faudrait que je le refasse d'ailleurs. Faudrait que je le fasse parce que c'est le seul Silent Hill que je n'ai pas fait. Je les ai tous faits, mais enfin de la série principale, mais pas le 4. Je fais le 1, je fais le 2, je fais le 3, je fais le Homecoming, le Dunpour, j'ai pas fait le 4. Bah écoute, le jour où tu feras le 4, tu me le dis et puis on se refera une revue ensemble. Voilà, tout simplement. On fera ça. Allez, sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Silent Hill prouve que le jeu vidéo est un art et que seuls les abrutis diront le contraire. Au revoir tout le monde. Salut!